On est là parce que Walk in Time a été invité. Walk in Time, c'est le piano qui est en train de jouer là en bas. C'est un piano qu'on a créé avec Xavier Bontemps, qui est lui restaurateur de piano ancien près de Bordeaux à Homais. Et on s'est rencontrés lors d'une exposition et on avait envie de faire un piano ensemble, donc on a créé Walk in Time. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bon, d'abord, il a un très joli son parce que Xavier l'a restauré entièrement, l'a remis à neuf. C'est un piano qu'on a acheté en fait dans une salle de concert à Rouen et qui a remis entièrement musicalement à neuf. Et nous, en tant qu'ébéniste et designer, on voulait le retravailler au niveau de la forme. Moi, mon idée, c'était que j'adore la musique du piano, mais je trouvais qu'il y a toujours un peu d'adéquation entre la musique très très légère d'un piano et le volume du meuble qui est toujours très très lourd. Donc j'ai eu envie de dessiner un meuble très léger, aérien, et on a habillé le piano qui est le piano de concert qui est dessous. C'est une pièce unique, la collection, je ne sais pas ce que c'est qu'une pièce de collection, seuls les collectionneurs peuvent le dire, mais c'est certainement une pièce unique, je ne pense pas qu'on en fera d'autres. Mais ça reflète en même temps l'amour de la musique et l'amour de l'ébénisterie. Ça reflète notre travail aussi qu'on fait tous les jours à l'atelier à Bayonne. Moi je trouve que ce piano, il vit parce qu'il est joué. Il n'y a rien de pire qu'un piano qui reste dans sa caisse. Parce que ce piano est très grand, donc on ne peut pas le laisser en exposition en permanence. Il faut quand les concerts sont finis, il faut le remballer, le mettre dans des caisses. Je trouve ça triste. Donc le fait qu'il soit joué, comme maintenant, là, c'est là qu'il vit. Il n'y a pas que le design, il y a surtout la musique qui est importante. Les deux sont importants. Moi, je vous propose, pendant justement la durée de Jazzopole, de venir le jouer. Il est en exposition dans le hall d'entrée. Donc il est en libre service, bien sûr. Et c'est une belle œuvre aussi pour les gens qui aiment la musique et qui aiment les belles choses. Je pense que c'est une belle occasion de venir au pôle.